Bonjour tout Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à une autre conférence CRUGM Midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bernard Simon Leclerc, qui est épidémiologue, spécialiste en analyse et évaluation des interventions de santé et professeur en la matière à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Le professeur Leclerc, il compte 25 années d'expérience dans le domaine et grâce à son expérience à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière, donc il est vraiment l'expert dans le domaine de l'épidémiologie. Le professeur Leclerc, d'un point de vue de recherche, s'intéresse à l'épidémiologie sociale, aux déterminants sociaux, aux inégalités sociales de santé, aux enjeux sociaux des services de santé et l'analyse de réseaux de relations sociales, ainsi qu'à l'évaluation des pratiques, des programmes et des interventions participatives et intersectorielles en général. Monsieur le professeur, bienvenue. Merci encore une fois pour accepter de venir. Et Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous m'entendez bien. Alors, merci pour l'invitation. Alors, je veux vous parler donc de la pratique de l'évaluation. Pour en finir avec les comités d'éthique de la recherche, donc, je veux juste préciser que je ne suis pas en chicane avec les comités d'éthique de la recherche. J'ai expressément donné un titre qui était accrocheur, mais je suis en bon terme avec les comités d'éthique de la recherche. Donc, première des choses, je veux juste déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêts lié au contenu de cette présentation-là. Et je ne suis pas et je prétends pas non plus être un conseiller en éthique. Et comme je le disais, je ne suis pas en discorde avec les comités d'éthique de la recherche. Donc, voici l'objectif j'ai marqué webinaire parce que oui, c'est un webinaire, il est diffusé simultanément. La présentation d'aujourd'hui, je vais distinguer la distinction à faire entre l'évaluation et la recherche, préciser dans quelle situation une approbation par un comité d'éthique de la recherche est requise, mentionner les obligations des évaluateurs en matière d'éthique et sensibiliser les participants à l'expression d'une éthique et d'une déontologie professionnelle propre à la discipline de l'évaluation. Donc, voir que ce n'est pas parce que dans certaines situations, on n'a pas besoin d'une approbation éthique de la recherche pour une évaluation que ça veut dire qu'il n'y a pas de considération éthique des projets d'évaluation. Donc, ici, je vais passer rapidement, c'est le plan. Je vais juste vous présenter. J'avais un petit quiz. Je vais passer rapidement les questions. Je vais vous les lire. Vous pourrez penser à ces questions-là durant ma présentation et je vais reprendre les questions à la fin de la présentation. On va répondre à ces questions-là. Donc, première question, toutes les activités de recherche avec des êtres humains sont assujetties aux exigences d'un comité d'éthique par un comité d'éthique de la recherche. Il n'y a pas de réelle différence entre l'évaluation et la recherche. L'évaluation de programmes d'intervention, de pratique nécessite une approbation par un comité d'éthique de la recherche. En tout cas, celle-ci est en contradiction avec la précédente. Il y en a sûrement une de vraie, une de fausse. L'intention de diffuser les résultats de son étude dans une publication professionnelle ou scientifique ou lors d'une conférence constitue un critère susceptible de distinguer l'évaluation de la recherche. Les personnes qui souhaitent publier éventuellement les résultats d'une évaluation dans une revue scientifique avec un processus d'évaluation par les pairs doivent obtenir une approbation par un comité d'éthique de la recherche. Une évaluation réalisée à l'extérieur de son organisation ou de son territoire nécessite une approbation par un comité d'éthique de la recherche. Ça achève. Une évaluation réalisée dans plusieurs établissements ou plusieurs installations nécessite une approbation par un comité d'éthique de la recherche. Les évaluations et les études d'assurance de la qualité ne relèvent pas de la compétence des comités d'éthique de la recherche. Les comités d'éthique de la recherche n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur les plans d'évaluation et les études d'assurance de la qualité. C'est la dernière. Aucun principe éthique ne régit la conduite des évaluations de programme et les évaluateurs n'ont aucune responsabilité à cet égard. Espérons que ce n'est pas vrai. Alors, voilà. Donc, la mise en contexte, c'est que la consigne, la directive, c'est effectivement que toutes les activités de recherche avec des êtres humains
sont assujettis aux exigences d'un comité d'éthique, d'un examen par un comité d'éthique de la recherche. Donc ça, c'est vrai, c'est une règle absolue, mais que le mandat d'un comité d'éthique de la recherche se limite à l'évaluation de projets de la recherche. Ils doivent se prononcer sur des projets de recherche exclusivement. Donc, il y a quand même plusieurs activités qu'on pourrait qualifier qui sont similaires, souvent apparentées à la recherche, trop souvent assimilées à la recherche, mais qu'on parle d'activités génératrices de connaissances qui font appel à des méthodes, la rigueur, des techniques qui sont semblables à celles utilisées en recherche, mais ce n'est pas parce qu'on collecte des données, qu'on questionne des gens, qu'on a de la rigueur, qu'on a de l'outillage, que ça n'en fait forcément de la recherche. Donc, il y a beaucoup d'activités, et j'en nomme quelques-unes, les exercices de reddition de comptes, l'évaluation de programmes, les audits, les études d'assurance et d'amélioration de la qualité, les démarches d'agrément, la surveillance continue de l'état de santé, d'autres activités de pratique en santé publique, et on pourrait rajouter, peut-être, je pense que ça vous concerne également, des évaluations, ce qu'on appelle des ETMI, des évaluations de technologie et mode d'intervention en santé. Alors, mais il y a quand même un risque de confusion entre ces exercices-là et la recherche, parce que la distinction, elle n'est pas toujours facile à faire, et donc il peut y avoir de la confusion. Alors, on dit l'évaluation de programme d'intervention de pratique est souvent confondue avec la recherche où il est assimilé et inutilement soumise aux exigences d'un comité d'éthique de la recherche. Et je mets entre guillemets le mot « inutilement » dans le sens que ce ne serait pas obligatoire, mais évidemment que dans certaines situations, on ne peut pas dire que c'est inutile d'avoir un avis d'un comité d'éthique de la recherche. C'est dans ce sens-là, mais qu'il n'y a pas d'obligation de soumettre un projet d'évaluation pour avis à un comité d'éthique de la recherche. Voilà. Donc, on dit un comité d'éthique de la recherche n'a pas la compétence matérielle, et là, je le remets entre guillemets parce que c'est l'expression consacrée, là, on parle de compétence matérielle dans le sens du pouvoir de se prononcer sur un sujet donné. Donc, les comités d'éthique de la recherche n'ont pas la compétence matérielle pour évaluer d'autres types d'activités que la recherche. Donc, ils n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur d'autres matières que la recherche. Alors, on dit que les activités qui ne sont pas de la recherche ne nécessitent pas d'évaluation par un comité d'éthique de la recherche, même si elles font appel à des méthodes, des techniques semblables à celles utilisées en recherche. Et donc, ça, c'est un extrait de politique des trois conseils. Bon. Alors, la confusion entre la recherche et l'évaluation, opinion personnelle, nuit au développement de l'évaluation comme une discipline distincte et indépendante. Donc, il y a beaucoup de croyances autour des pratiques évaluatives comme quoi que ça prend une évaluation par un comité d'éthique de la recherche. Voilà. Donc, normes applicables, on dit l'évaluation par un comité de... Bon, ça, c'est les directives, ce qu'on voit dans certains documents. Ça dit l'évaluation par un comité d'éthique de la recherche est requise lorsque l'activité comprend des éléments de recherche. Alors, ça, ce n'est pas une phrase qui nous aide beaucoup parce que ce n'est pas très précis comme affirmation. Alors, mais le chercheur ou l'évaluateur est responsable de déterminer la nature ou l'appartenance de son activité. Donc, si on dit que les projets d'évaluation nécessitent pas une évaluation par un comité d'éthique de la recherche, il faut quand même pouvoir se prononcer sur la nature du projet et il est de la responsabilité des chercheurs ou des évaluateurs de se prononcer sur la nature de son projet et dans le doute, il faut demander un avis à un comité d'éthique de la recherche qui va se prononcer sur la nature du projet. On dit, ce que je mentionne là, par contre, c'est de dire, il faut faire attention à, j'ai marqué, attention à la question posée à un comité d'éthique de la recherche.
Il faut, si on veut avoir un avis d'un comité d'éthique de la recherche sur la nature du projet, à savoir est-ce que c'est de la recherche ou c'est de l'évaluation, il faut être très clair sur la question qu'on leur pose et de fournir une argumentation. Donc, c'est la responsabilité des évaluateurs ou des chercheurs d'argumenter les motifs pour lesquels on pense, on dit que ce n'est pas de la recherche, mais que c'est de l'évaluation. Donc, il y a une responsabilité qui est là, mais donc c'est ça, je dis, faut faire attention à la question posée au comité d'éthique, parce que si on présente un projet d'évaluation qui peut prendre toute l'allure d'un projet de recherche et qu'on demande au comité d'éthique de la recherche de se pencher sur le projet, ils vont se pencher sur le projet en faisant une lecture comme un projet de recherche. Donc, il faut que ça soit clair qu'on leur demande de se prononcer sur la nature du projet et non pas de se prononcer sur l'aspect éthique du projet, parce que si on leur présente un projet que nous-mêmes, on ne met pas en question, à savoir est-ce que c'est de l'évaluation, est-ce que c'est de la recherche, ils vont l'étudier comme un projet de recherche et ils vont se prononcer, donner des avis en ce sens. Donc, ici, on dit, alors, il faut faire, donc, le côté le plus difficile, c'est peut-être de faire, dans certaines situations, c'est très clair, dans certaines autres situations, c'est peut-être parfois moins clair, mais on doit faire la distinction entre qu'est-ce qui est de l'évaluation autre type d'activité et qu'est-ce qui est de la recherche. Donc, il y a des outils qui ont été proposés pour aider les professionnels, les chercheurs, à faire la distinction entre les deux, et je vais en présenter quelques-uns. On ne va pas s'y attarder, mais donc vous pourrez consulter le PowerPoint et au besoin, vous pourrez consulter ces références-là. Bon, premier outil qui était rendu disponible là, pour faire la distinction entre l'évaluation et la recherche, c'est sûrement ça s'appelle la note 1 de clarification relative aux compétences matérielles et territoriales des comités d'éthique de la recherche du ministère, que le ministère de la Santé et Services sociaux avait publié une note en 2007 pour aider à faire la distinction, parce qu'il y avait de plus en plus de projets qui étaient soumis à des comités d'éthique de la recherche et bon, tout le monde se posait des questions, est-ce que c'est de la recherche, est-ce que c'est de l'évaluation? Donc, il avait proposé une note de clarification. Mais peut-être que la note a soulevé plus de questionnements, en tout cas, a amené autant de questionnements qui ont pu donner de réponses, et à l'aveu même là, du ministère maintenant. Donc, les critères qui ont été proposés initialement en 2007, ils sont désuets et il y a une mise à jour qui est en cours. Donc, il y a un document en tout cas, il y a déjà eu quelques présentations. Le document n'est pas sorti officiellement et a sûrement été retardé à cause de la pandémie. Mais on peut s'attendre à ce que ça va sortir incessamment. Donc, on dit ici des critères. Parmi les critères qui ont été proposés ou qui sont utilisés, là, on verra est-ce que c'est des bons critères ou pas, qui sont couramment utilisés pour distinguer l'évaluation de la recherche. Donc, on parle de l'intention ou l'objectif de la collecte de données. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette information-là, cette collecte de données? Et ensuite, l'utilisation ultérieure prévue des données recueillies. Bon. Alors, on dit, ne constitue pas de la recherche les activités qui se déroulent dans le cadre de fonctionnement normal ou de la réalisation d'un mandat d'une organisation du système de santé. Donc, un établissement, au sens légal du terme, nos établissements dans le réseau, là, pour la majorité, c'est des CIS et des SUS, et le reste sont des installations. Donc, les établissements ont des responsabilités inscrit dans la loi sur les services de santé et services sociaux, notamment, par exemple, de faire des évaluations de besoins, des évaluations de l'efficacité du rendement, des exercices d'agrément, de faire de l'évaluation de technologie, mode d'intervention en santé. Donc, c'est une obligation des établissements et donc, ce n'est pas considéré comme de la recherche. Alors ensuite, bon, c'est tout ce que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, les exercices de reddition de comptes, l'évaluation de programme, l'évaluation d'intervention, les études d'assurance d'amélioration
de la qualité des démarches d'agrément, puis certaines activités de santé publique qui peuvent être la surveillance, la collecte de données, évaluer les besoins de la population, des choses comme ça. Donc, on dit ici la recherche. Bon, alors, si on donne, on donne des définitions générales pour distinguer recherche et évaluation, et là, l'exercice est un peu périlleux. Donc, dans la politique des trois conseils, on dit, ben, la recherche, on définit la recherche comme étant une démarche visant le développement des connaissances au moyen d'une étude structurée ou d'une investigation systématique. Ce n'est pas une définition très claire parce qu'on pourrait très bien rentrer dans ça plusieurs pratiques évaluatives de projets d'évaluation. Bon. Alors, moi, j'avais déjà proposé dans des documents, mais avant que quelqu'un le souligne, c'est une définition qui est bien imparfaite parce que les activités de recherche peuvent être tellement diversifiées, prendre différentes natures, que c'est difficile d'avoir une définition très claire qui va englober toutes les activités de recherche. Donc, à un moment donné, je proposais en disant vérification, donc les activités de recherche, on pourrait dire le plus souvent, mais pas toujours, servent à vérifier une hypothèse et de produire des nouvelles connaissances qui sont généralisables, mais qui, où est-ce qu'on s'intéresse davantage initialement à des publications ou qu'on s'adresse davantage à la communauté scientifique. Et si on pense à l'évaluation, bien, l'évaluation, les projets d'évaluation, donc on veut souvent, plus souvent qu'autrement, fournir des réponses concrètes. Souvent local, mais pas toujours. Souvent, c'est des problèmes plus localisés, plus locaux. Donc, fournir des réponses concrètes qui est susceptible de conduire à l'amélioration d'une intervention donnée. Donc, on veut produire. Donc, on est souvent sur du sur mesure. On va définir une méthodologie, une approche spécifique pour répondre à un problème précis, souvent lié à l'amélioration, à documenter ou améliorer des pratiques. Donc, accroître les connaissances sur les interventions et les pratiques et fournir aux personnes et aux organisations concernées des informations qui leur seront utiles rapidement pour leur amélioration. Bon, ce sont des définitions, mais comme n'importe quelle définition, c'est parfois incomplet et parfois imparfait. Donc, on dit, ne sont pas des critères sensés, dans le sens que c'est des critères qui ont été proposés, notamment en 2007 par le ministère. Le ministère, et qui sont repris maintenant dans la politique des trois conseils et qu'on dit, non, non, ça ne peut pas servir comme critère. Donc, la nature ou l'ampleur de la méthodologie. Alors, on peut avoir des recherches qui ont une méthodologie relativement simple, mais on peut avoir aussi des projets d'évaluation qui sont avec une méthodologie d'envergure. Donc, la nature ou l'ampleur de la méthodologie ne peut pas servir à faire la distinction entre la recherche et l'évaluation. Ensuite, l'intention ou la capacité de publier les résultats. Ça, c'était inscrit dans la note initialement, la note en 2007 du ministère pour distinguer l'évaluation. Donc, ça non plus, on ne peut pas. On ne peut pas utiliser ça comme critère parce qu'on pourrait même dire que ce n'est pas éthique de ne pas publier nos résultats d'évaluation parce que ça peut servir à d'autres et surtout lorsqu'on produit des évaluations à partir d'argent public. Et c'est de plus en plus recommandé de diffuser les résultats parce que on diffuse des résultats. Des fois, c'est les résultats comme tels qui sont intéressants. Des fois, c'est l'approche, la méthodologie, la philosophie, etc. La réalisation d'un projet à l'extérieur de son organisation, de son territoire. Alors, non, ça, c'est pas. Donc, on a une réponse à une question qui avait été posée initialement. Donc, c'est pas parce que, disons, si moi, j'appartiens au CIUS, c'est pas parce que je vais faire un projet qui serait dans un autre CIUS ou une autre région, qu'il y a une distinction à faire entre la recherche et l'évaluation. Et la même chose que si un projet qui se réalise dans plusieurs installations ou plusieurs établissements, et donc ça non plus ne peut pas servir comme un critère pour faire la distinction entre l'évaluation et la recherche. Justement, tout à l'heure, je parlerai d'un projet que j'ai fait
auprès de 37 établissements à travers le Québec et ça a été jugé par un comité d'éthique de la recherche comme étant un projet d'évaluation. Alors, on dit, l'autre chose aussi qui est importante, c'est de dire faire appel au grand bon sens. Okay? Donc, si faire appel au grand bon sens, c'est parce que si dans certaines situations, c'est intéressant et c'est important d'avoir une approbation ou un avis par un comité d'éthique de la recherche sur un projet d'évaluation, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Okay? L'exercice, c'est pas, l'idée, ce n'est pas de se priver ou contourner nécessairement les comités d'éthique de la recherche, mais c'est dans le sens que il n'y a pas nécessairement. Il ne faut pas que ce soit un automatisme de dire, ah, on a un projet, il y a une certaine collecte de données, donc il faut le soumettre à un comité d'éthique de la recherche. Puis, donc si, mais je dis, même s'il peut s'agir d'un projet d'évaluation, considérez le pour et le contre de la situation afin de prendre une décision éclairée. Et là-dedans, je pourrais mentionner, on peut en reparler pendant la période de questions, que il pourrait avoir un projet que c'est clairement de l'évaluation, mais le projet s'inscrit dans le cadre d'études de maîtrise, recherche ou de doctorat d'un étudiant dans un contexte universitaire. Et là, dans un contexte comme ça, je pense que c'est préférable qu'on demande, même si on pouvait dire que c'est définitivement un projet d'évaluation, ce serait préférable de demander de passer par le processus d'approbation éthique. Voilà. Donc là, je veux juste rapidement vous présenter quelques publications, sans m'y attarder, mais quelques publications qui ont été publiées, un peu un pléonasme, mais qui sont parues, qui servent à faire de la distinction entre de la recherche et certaines autres activités. Donc, si on parle de faire la distinction entre la recherche ou une étude d'assurance de la qualité, donc, il y a une publication qui porte plus spécifiquement sur ça. Ensuite, on parle de recherche où il y a un terme qui est apparu, un terme général qu'on parle d'activité génératrice de connaissances non liée à la recherche pour parler des ensembles autres activités qui comprennent de la collecte et de l'analyse de données. Donc, vous avez une publication ici. C'est toutes des publications relativement récentes, 2018 pour celle-ci. Et ensuite, également, un autre outil pour faire la distinction entre ce qui est de la recherche et ce qui est certaines collectes de données qui sont faites dans le cadre d'activités de pratique en santé publique. Voilà. Alors, ici, on dit, bon, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, que ce n'est pas parce qu'un projet ne nécessite pas obligatoirement une évaluation, une approbation par un comité d'éthique, que ça sous-tend qu'il n'y a pas de considération éthique dans le projet. Alors, certains projets mériteraient malgré tout de pouvoir avoir un avis par un organisme indépendant du chercheur. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en dehors des comités d'éthique. Il n'y a pas encore beaucoup d'autres instances qui existent et qui permettraient d'avoir un avis éthique sur des projets d'évaluation. Donc, on dit, alors, qui réalise la validation éthique des évaluations et des autres activités génératrices de connaissances non liées à la recherche? Qui fait ça actuellement? Je vous dirais, personne. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Alors, les projets d'évaluation d'autres activités ne sont habituellement pas évalués pour ces aspects-là. Il y a eu des suggestions qui ont été faites. Ça pourrait être fait par certaines associations professionnelles ou sociétés savantes. Notamment, il y a une société canadienne d'évaluation, il y a la société québécoise d'évaluation de programmes, il y en a une à l'échelle du Canada, mais ils ne font pas encore ce genre de, disons, de service où ce que on, auprès d'un comité ou d'une instance sous leur responsabilité, auprès de qui on pourrait demander un avis. Chose intéressante, donc c'est au CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal maintenant. Donc, il y a une direction où il y a un service qui s'appelle le comité d'accompagnement, donc je pense que c'est la DEUR avec
Ah, voilà. Donc, on a deux personnes. Donc, certains que vous m'attendiez avec une brique et un fanal. Non, mais quand je disais tantôt, qui évalue les projets d'évaluation, je dis personne. Donc, personne à part cette instance-là. Donc, ça, c'est un service qui est très intéressant, qui est disponible, qui permet, donc, un mode de fonctionnement probablement plus léger, moins contraignant, que les comités d'éthique de la recherche et qui peuvent donc se prononcer sur la nature éthique des projets et faire des recommandations. Alors, ce service, c'est une très belle initiative. Et ensuite, l'autre possibilité aussi, c'est donc, on peut, comme équipe d'un projet d'évaluation, recourir au service d'un consultant en éthique. Donc, moi, tantôt, je parlerai d'un projet. J'avais un projet dans beaucoup d'établissements à travers le Québec. Je pense que les procédures sont simplifiées, mais au moment que le projet, moi, je ne voulais pas être obligé d'avoir une approbation éthique par 37 comités d'éthique de la recherche à travers. Je pense que maintenant, les choses multi. Je ne me souviens plus le terme exact, là, mais que maintenant, je pense que les procédures sont simplifiées à cet égard-là. Mais au moment que j'avais présenté mon projet, ce n'était pas comme ça. Et donc, et moi, c'est sûr que si on a un projet d'évaluation et que on fait impliquer plusieurs établissements, disons, à travers le Québec, il faut s'attendre qu'il y a certains établissements qui vont dire, ah oui, mais je n'ai pas vu votre approbation éthique. Où est votre approbation éthique? Donc, on va être obligé de se justifier auprès d'eux. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, mais pas uniquement pour ça, parce que j'ai quand même des préoccupations éthiques. C'était auprès de jeunes femmes enceintes défavorisées à travers le Québec. Et donc, j'avais embauché donc un consultant conseil en éthique qui se prononçait et qui nous guidait dans la réalisation de toutes nos procédures, du formulaire de consentement, de l'information, de la manière, de l'information qu'on transmettait aux participants, qu'est-ce qu'on donne comme montant ou bénéfice là, pour participer, puis la façon de poser les questions, qui on recrute, etc., etc. Donc, il se prononçait, il nous guidait, et en même temps, moi, je me disais, bien, ça donne une certaine confiance également aux établissements de la valeur éthique de notre projet si on dit qu'on est accompagné par un consultant éthique. Voilà. Donc, on dit les activités doivent respecter des normes éthiques. Okay? Donc, les activités d'évaluation, même si on dit c'est pas nécessaire d'avoir une évaluation par un comité d'éthique de la recherche, mais on a quand même certaines obligations de se conformer à certains critères. Donc, on dit avoir des objectifs fondés, pouvoir utiliser les résultats escomptés pour améliorer les soins. Donc, il faut qu'il y ait une méthodologie, une approche intéressante, valable pour que ça serve à quelque chose. Garantir la protection de la vie privée et la confidentialité. Obtenir le consentement, sauf certaines exceptions prévues par la loi. Ne pas exposer les personnes sollicitées à un risque de préjudice physique, psychologique, social, émotionnel ou autre, ou un fardeau excessif. Bon. Et il y avait, donc ça, c'est les critères auxquels on doit se conformer, que ce soit de la recherche ou de l'évaluation. Il y avait un groupe en éthique à la Direction de santé publique de la Montérégie qui disait, oui, mais cette préoccupation-là qu'on a envers les participants, on devrait l'étendre aussi au niveau des parties prenantes. Donc, en évaluation, ceux qui participent, ce n'est pas juste des usagers, des participants, des personnes qui bénéficient des services, il y a aussi des organisations qui offrent des services, etc. Et donc, il y a différentes organisations intersectorielles et tout ça. Et donc, on devrait étendre les critères de protection aussi à ces organisations, c'est-à-dire de faire attention non plus de ne pas leur causer de tort, notamment. Donc, ici, la Direction de santé publique de la Montérégie s'est intéressée à faire un peu un inventaire de, disons, appelons ça des règles, des critères, des normes, des directives éthiques, des critères avec une certaine dimension éthique.
au niveau de la pratique. Donc, ils ont proposé, en s'inspirant de différentes sources, donc la Société américaine d'évaluation, la Société canadienne d'évaluation, la Société française d'évaluation, donc de ramasser un peu tout ce qu'il y avait comme proposition de critères éthiques, puis ils ont reformulé ça, réorganisé ça, donc en proposant 24 principes éthiques qui sont catégorisés là, dans 3, 4, 5, 5, 5 dimensions, donc au niveau des compétences des évaluateurs, l'intégrité, l'honnêteté, distanciation. Donc, on parle de 8 critères dans cette catégorie-là. Au niveau de l'imputabilité, de la transparence, 5 critères dans cette catégorie-là. La responsabilité des acteurs de l'évaluation et des 6 critères qui renvoient au respect des personnes. Donc, vous avez la référence en bas si jamais ça vous intéresse de consulter cet ouvrage. Voilà. Et donc là, c'est ma dernière diapo avant qu'on repasse les questions que j'avais du quiz que j'avais présenté initialement. Donc c'est juste vous montrer. Ça, c'est trois projets que moi j'ai des projets trois projets qu'on pourrait dire d'envergure que j'ai réalisés en évaluation et qui n'ont pas nécessité ou pour lesquels j'ai demandé un avis à un comité d'éthique de la recherche en leur disant. Je les considère comme des projets d'évaluation pour telle raison, puis donc en demandant leur avis qui se prononce sur la nature des projets et à savoir est-ce qu'effectivement j'avais besoin ou pas d'une approbation éthique. Donc le projet, c'est un projet, c'est le dernier pour lequel j'ai demandé un avis. C'est un projet qui est en cours, qui est par la direction de la santé publique et peut-être le CIUS en général. Donc, un projet d'évaluation. Moi, je m'occupe de l'évaluation, mais c'est un projet d'action collective qu'on appelle les projets d'impact collectif, où est-ce que ça regroupe plusieurs partenaires institutionnels, communautaires, participation citoyenne et pour promouvoir la participation sociale des personnes âgées. Donc, c'est un projet où est-ce qu'il y a 5 volets importants de différents projets et tout ça, c'est de briser l'isolement des personnes aînées et accroître la participation sociale. Donc, plusieurs personnes connaissent Paul Lebel, donc c'est un projet qui est dirigé par Paul Lebel. Alors, ça, c'est un projet et donc, à un moment donné, le projet a été intercepté par quelqu'un au CIUS qui a vu passer notre projet puis qui a dit, ah, on a vu ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est tout le temps comme ça que ça se passe, là. Et donc, on n'a pas vu votre approbation éthique. Et donc, dans le doute, donc parce que quelqu'un a soulevé le doute, donc à ce moment-là, il faut satisfaire et demander au comité d'éthique qui se prononce sur le projet et je sais plus trop qui de l'instance du comité d'éthique de la recherche à un comité d'éthique de la recherche au CIUS s'est prononcé en disant effectivement, c'est un projet d'évaluation, pas de problème. Ensuite de ça, moi, ça, l'autre projet qui est terminé maintenant, j'avais réalisé une évaluation longitudinale d'une approche nu nutritionnelle qui s'appelait 1000 jours pour savourer la vie. Hein. Le 1000 jours, c'est 2 ans de vie de l'enfant, puis plus le temps de la grossesse des mères, ça fait 1000 jours, et que c'est un projet d'intervention de la Fondation Olo. Il y a 567 femmes enceintes vulnérables, c'est-à-dire sous le seuil du faible revenu, qui ont participé, des centaines de gestionnaires, puis d'intervenants dans 31 établissements à travers le Québec. Et donc là, voilà, ça, donc c'est vraiment projet d'envergure avec trois temps de collecte de données. Et donc, le comité d'éthique de la recherche s'est penché sur ce projet-là. Parfait, pas de problème. Effectivement, comme vous, on le considère comme un projet d'évaluation à documenter des pratiques dans les établissements, les CLSC, les services qui sont offerts pour aider à la prise de décision. Et l'autre, c'est un projet qui date un peu plus lointain de l'Agence de la santé, donc agence qui n'existe plus maintenant. Donc, on s'intéressait une évaluation sur les incitatifs, les obstacles à la supervision de stage. Donc, qu'est-ce qui faisait que des professionnels acceptent ou pas de recevoir des stagiaires
Et donc, on avait 105 responsables de stage, 921 intervenants dans 37 établissements sur le territoire de Montréal, par contre. On avait 19 ordres, des ordres, des associations, des regroupements professionnels. Et encore là, on avait demandé l'avis parfait. On considère que c'est un projet d'évaluation. Voilà. Donc, je passe rapidement aux questions du quiz. Toutes les activités de recherche avec des êtres humains sont assujetties aux exigences d'un examen par un comité d'éthique de la recherche? Oui, puisque c'est des activités de recherche. Il n'y a pas de réelle différence entre l'évaluation et la recherche. J'espère que je vous ai convaincu qu'il y en avait une différence. Donc, la réponse est faux. L'évaluation de programmes d'intervention ou de pratique nécessite une approbation par un comité d'éthique de la recherche? Non. L'intention de diffuser les résultats de son étude dans une publication professionnelle ou scientifique constitue un critère susceptible de distinguer? Non. On peut imaginer que si on a une approbation éthique, ça peut faciliter la publication, mais ce n'est pas une obligation. Mais c'est sûr que si on cherche à publier les résultats de notre évaluation et qu'on soumet à une revue scientifique, il faut s'attendre à ce qu'on va devoir justifier pourquoi qu'on n'en a pas une évaluation éthique et pourquoi qu'on en a, que ce n'est pas nécessaire. C'est sûr que dans une circonstance comme ça, que si on a pris la peine de demander un avis à un comité d'éthique de la recherche et qui se sont présents, qui se sont prononcés par écrit pour parler de la nature, on a une pièce justificative qui va aider à convaincre l'éditeur de la revue. Les personnes qui souhaitent publier éventuellement les résultats, donc c'est quelque chose de similaire, alors non, ça ne peut pas constituer un critère. Une évaluation réalisée à l'extérieur de son organisation, de son territoire, non. On peut appartenir au territoire du CIUS et réaliser un projet qui se fait sur un autre territoire. Même chose si ça se fait dans plusieurs établissements ou plusieurs installations. Disons qu'on pourrait avoir un projet qui se ferait dans plusieurs CHSLD d'un même établissement au sens administratif, un CIS ou un CIUS, ou dans plusieurs établissements. Les évaluations, les études de sciences de la qualité ne relèvent pas de la compétence des comités d'éthique de la recherche. Effectivement, ils n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur ça, à moins qu'on leur demande de se prononcer sur ça parce qu'on présente le projet comme étant un projet de recherche. Les comités d'éthique de la recherche n'ont pas le pouvoir de se prononcer. Alors, effectivement, aucun principe éthique ne régit la conduite des évaluations de programme et les évaluateurs n'ont aucune. Évidemment, ce n'est pas vrai. Hein? Il faut avoir une conduite et des préoccupations éthiques, même si ce n'est pas un projet de recherche. Ça ne nous dispense pas d'obligations, de préoccupations. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup pour votre présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, avez-vous des questions? Quelles sont vos questions, s'il vous plaît? Pas de questions, j'ai un commentaire. Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, moi, je représente la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche. Donc, je suis allée finaler avec mon père. Puis, votre présentation était vraiment très sur la coche, comme je dis. Donc, parce que, effectivement, votre titre était un peu provocateur. Oui, expressément. Il était provocateur, surtout parce que, initialement, la présentation avait été faite pour des gens en évaluation. Et donc, j'avais fait exprès un peu pour provoquer. On a mis en place pour des types de projets comme ça. On est quand même assez novateur, une procédure allégée. Donc, on espère que peut-être d'autres Et c'était une recommandation de la politique des trois conseils de mettre en place de ce genre de service-là. Merci. Bonjour, merci.
merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être que je ne saisis pas bien encore la différence entre les deux, mais historiquement, qu'est-ce qui a amené à avoir séparé ces deux types de réalisation de projets, si je peux dire? Moi, je vous dirais, qu'est-ce qui a amené à les confondre? Je pense que la question est davantage là. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on pourrait dire la recherche, il y a plus de projets de recherche qu'avant. Il y a plus d'exercices de collecte d'informations qui ont différentes utilités, hein, des exercices d'assurance de la qualité, évaluation des ethnies, etc. Donc, dans les établissements en général, il y a de plus en plus, toutes sortes, il y a des stagiaires qui vont vouloir interviewer moi, je trouve ça tellement abusif. À un moment donné, là, un stagiaire, il fait un stage, il veut interviewer trois intervenants sur quelque chose, puis là, il se fait demander d'avoir une approbation éthique. Je trouve qu'il y a de l'exagération sur la nécessité d'avoir. Ça sert à quelque chose, une approbation éthique, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je pense qu'à un moment donné, j'imagine que la préoccupation est venue du ministère, entre autres, quand ils ont notamment amené la note de clarification en 2007, c'était rendu qu'il y avait beaucoup trop d'exercices de différentes natures qui étaient soumis à des comités d'éthique de la recherche. Je pense probablement que c'est la meilleure réponse. Il y avait un souci de simplifier. Oui, de ne pas alourdir ce genre de projet qui ne nécessitait pas. Et de faire peut-être d'être faire un usage efficient des comités d'éthique de la recherche là où c'est requis. OK. Puis une autre question que j'ai, il y a certains types de projets de recherche qui peuvent aussi avoir des visées très concrètes, très court terme, notamment certains projets de recherche-action ou des approches participatives qui se déroulent dans les milieux, avec les milieux, pour les milieux. Dans ce type de contexte-là, j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à voir à ce moment-là quand est-ce qu'on va plus être d'un point de vue évaluation ou quand est-ce qu'on va être d'un point de vue. Mais à ce moment-là, je dirais que la question à se poser, c'est plus que juste la question est-ce que c'est de la recherche ou est-ce que c'est de l'évaluation? Mais peut-être c'est ça se réalise dans quel contexte, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'information, etc. Parce que définitivement, il y a des projets. J'ai réalisé avec Dr Kerguat, on va lui dire qu'elle n'est pas là. Je travaille beaucoup. Moi, je suis chercheur ici au centre de recherche. Je suis chercheur fantôme un peu. Donc, je travaille beaucoup avec Dr Kerguat depuis 1983 au centre de recherche ici. Donc, certains de vous n'étaient pas nés encore, peut-être. À un moment donné, on a eu à se poser la question. On a fait, dans le temps de la COVID, on s'intéressait à des modes d'admission dans les zones tampons, en continu ou tout ça. Puis, il y avait une préoccupation de documenter les risques, certains bénéfices, puis certains risques de transmettre la COVID. Puis donc, on s'est posé la question, parce que ça avait nettement une connotation évaluation. Mais dans le contexte de la réalisation, de ce qu'on voulait faire avec ça, etc., on a préféré demander une évaluation éthique. Donc, je pense qu'il faut des fois se poser plus de questions que juste si c'est de la recherche et si c'est de l'évaluation. Merci beaucoup. On a une autre question? Non, en fait, sans revenir à la deuxième question. Merci. Je travaille avec la ministre pour tout ce qui est évaluation de projet qui serait plus de nature comme aujourd'hui on parle. Tu sais, moi, ce que je dis, c'est qu'en recherche, dans l'étude de la recherche, une photo à un moment donné, c'est au début du projet. Peut-être un peu différent quand on est dans l'action qui arrive des enjeux, qui surgissent des situations pour lesquelles on aurait peut-être besoin d'être éclairé, mais sauf que là, il y a comme une différence aussi au niveau de l'accompagnement éthique qui peut être fait dans des projets qui font surgir. Dans les trois exemples que vous avez donné, j'étais née, mais je ne faisais pas de l'éthique, mais les deux autres que vous avez donné, dans vos trois exemples, c'est deux projets pour lesquels on a été impliqué autrement. Donc, c'est
Oui, puis, je veux dire, aussi, à un moment donné, tout n'est pas coulé. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'arrêté, hein, parce que le projet peut évoluer et peut tout d'un coup, à un moment donné, s'ajouter une dimension plus de recherche qu'est-ce qui était prévu initialement. Donc, il faut, si à un moment donné, en cours de route, il y a des nouveautés ou il y a des nouveaux questionnements, ben, il faut toujours réévaluer la nécessité d'avoir une évaluation éthique ou pas. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vraiment intéressant, surtout quand on est du côté chercheur et qu'on connaît moins l'éthique parce qu'on est moins formé. C'est un fait, là. On est moins formé à l'éthique. Vous avez donné, on devrait y être aussi. Vous avez donné un exemple très intéressant avec le stagiaire qui va en stage et pour son stage, il a besoin de faire des entretiens. Et ça, c'est des choses où on est confronté beaucoup plus selon les disciplines, en fait. Si on a des disciplines où on a des stagiaires qui viennent sur le terrain en clinique, bah, ils vont se retrouver à faire ces choses-là et souvent ils sont confrontés à des barrières administratives telles que vous venez d'écrire, le besoin d'un comité d'éthique. Il y a aussi des situations où on se retrouve avec, on est largement en dessous des risques minimales, mais on doit quand même aller en plénière. Il y a aussi d'autres situations où nous, on n'a pas forcément, on n'arrive pas à percevoir forcément les enjeux éthiques, alors qu'il y en a, nos chercheurs. Donc, quels seraient vos conseils que vous pourriez nous donner, à la fois nous, les chercheurs qui déposent, mais aussi les personnes qui évaluent, pour faciliter la communication et des fois sortir de l'impasse, parce que bien souvent, en fait, on finit par abandonner et on va en comité d'éthique pour avoir un numéro d'approbation d'éthique, alors que c'est évident que ce n'est pas nécessaire sur les critères qu'on nous a appris, mais d'autres critères, mais ces critères sont dépendants de chaque institution. Donc, quelle est la loi, quelle est la règle, et comment nous, en fait, on peut répondre pour essayer de défendre notre cas et des fois se gagner du temps aussi dans le processus, parce que souvent, à la fin, il y a un étudiant au bout. Et l'étudiant, il est dépendant pour avoir sa bourse, d'avoir un comité d'éthique qui a validé le projet. Et des fois, ce n'est pas nécessaire. Donc, je sais que ma question est longue et englobe Oui, plusieurs choses, mais mais j'aurais quels pas. conseils on pourrait avoir, nous, en fait, et comment on pourrait améliorer nos relations et nos échanges? Je dirais, j'ai l'impression que c'est un peu du cas par cas, puis que bon, je vais essayer d'apprendre des petits blocs. C'est sûr qu'il faut se placer aussi que si vous êtes des chercheurs et que c'est votre profession première, la recherche et tout ça, des fois, c'est un peu différent que vous seriez un chercheur et que votre expertise ou votre participation serait requise par un groupe qui aurait une préoccupation de faire un projet d'évaluation de la qualité ou de quelque chose d'un service au SUS. Okay? On pourrait dire même, disons, à l'Institut de gériatrie, on requiert la participation d'un chercheur parce qu'il connaît, il y a de la méthodologie, il connaît le sujet est connexe, mais le projet comme tel a vraiment, même si on fait participer un chercheur, ce n'est pas nécessairement l'initiative ou un projet né de la volonté du chercheur, mais c'est un projet de documenter, d'améliorer des pratiques locales. Et là, je pense que là, on serait en droit de le présenter comme un projet d'évaluation. Donc, je pense qu'il faut faire. Puis, dans certaines situations, ça dépend toujours. Des fois, on a un stagiaire. Il y a certains stages il y a des stages aussi professionnels qui ne sont pas nécessairement d'une collecte à des fins de recherche. Un des problèmes qu'il y a aussi, c'est. Moi, je suis à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, à un moment donné, il faut corriger souvent des intervenants dans le milieu et des étudiants en disant que tout n'est pas de la recherche. Les gens confondent tout, mais ils n'ont pas la préoccupation d'en faire la distinction. Je dirais d'abord ça. Et qu'aussitôt qu'il y a un peu de rigueur, il y a de la méthodologie, il y a des outils, il y a du monde à qui qu'on pose des questions. Il y a des questionnaires, puis là, puis il va y avoir de l'analyse de ça, donc c'est de la recherche. Alors que tout n'est pas de la recherche. Donc, je dirais, je n'ai pas une réponse en disant, mais c'est certain que dans les milieux, il y a encore beaucoup de croyances. Il y a du monde qui ont vu passer, là, que j'allais présenter ici, puis des milieux où est-ce qu'ils font des évaluations de technologie et modes d'intervention santé. Ça, c'est avant, c'était les instituts, selon la loi, les instituts universitaires ont cette obligation-là d'avoir ce genre d'unité-là. Et donc là, les gens disent, ah, ben, on est surpris d'apprendre que, parce qu'ils se font souvent poser la question, où est votre approbation éthique? Alors que ça ne nécessite pas. Mais c'est sûr qu'il y a une partie d'éducation, puis en même temps, ben, tant que les comités d'éthique de la recherche ne sont pas trop
confrontés à ce genre de demande-là, mais eux autres aussi, ils ont des réflexes de considérer beaucoup de choses comme étant de la recherche. Mais à un moment donné, je pense que la pratique où ils vont recevoir plus de demandes de cette nature-là, de se prononcer, puis donc ça amène. Mais un service comme il est offert là, je pense que ça aussi, ça va permettre un peu de faciliter à faire la distinction. Je n'ai pas une très bonne réponse, là, mais. Si, en fait, pour donner le contexte au début, Oui. on fait la première. Merci encore. Merci. Pour continuer sur la lancée, quand on tombe dans l'interdisciplinarité et l'intersectoriel, il y a beaucoup de presque confrontation. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces partagées? Pas nécessairement, parce que vous voyez, non, le premier projet qu'on a présenté, là, on a beaucoup d'organisations de différentes natures. On a des intervenants du réseau de la santé, on a des organismes communautaires de différents secteurs, on a des citoyens, la participation citoyenne. Je pense pas que ça doive présenter un obstacle supplémentaire, mais c'est sûr que s'il y a plusieurs disciplines, plusieurs secteurs, bien, tout le monde arrive un peu avec sa vision, ses approches. Mais à un moment donné, il y a comme, c'est peut-être là que le comité d'éthique de la recherche qui peut se prononcer sur le projet peut permettre d'éclaircir des choses. Parce que c'est sûr que, ça, mettons, moi, c'est pas parce que moi, je m'intéresse à ça, pas comme un spécialiste d'éthique, comme un utilisateur, un évaluateur qui réalise. Des fois, j'ai des projets qui sont clairement de la recherche évaluative. Okay? Parce qu'il y a aussi, tout n'est pas projet d'évaluation, parce que si c'est de la recherche évaluative, c'est de la recherche. Donc, il faut qu'il y ait une évaluation éthique. Donc, moi-même, des fois, là, je réussis pas toujours à convaincre les gens, là, disons, il y a des collaborateurs sur un projet, puis là, je leur explique ça, puis ils ont tellement l'idée que, ah, il y a une collecte de données. Et non, 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 ils vont, je le sais, ils nous ont déjà demandé une approbation éthique. Donc, je pense qu'il faut avoir, mais ce que monsieur disait là, c'est des fois, c'est quoi l'expression? On jette la serviette, puis qu'on se dit, ben, ça va être moins compliqué, on va demander une évaluation éthique. Donc, parce que ça demande quand même une certaine énergie, il faut documenter, il faut convaincre, il faut argumenter pour dire pourquoi qu'on pense que. D'accompagnement en place, justement dans des cas comme ça, comme quand c'est des stages cliniques, dans le fond, ce n'est pas des projets de recherche, donc ça tombe sur les jets, pas du comité d'éthique, mais bien du comité d'accompagnement qui a comme soutien dans un délai de 2 semaines. Donc, on est vraiment en là pour pouvoir aider les promouvoir, justement, que les gens ne tirent pas la serviette. Donc, offrir un encadrement, un enjeu parce qu'il y a des questions d'éthique. Donc, comme je dis, on est le seul CIUSSS qui offre cette possibilité-là. Donc, en cas de doute, ce n'est pas nécessaire, nous, de déposer au comité d'éthique. Il y a une adresse générique, vous pouvez déposer directement au comité d'accompagnement. Le cas échéant, si le comité d'accompagnement pense que ça doit être déposé au comité d'éthique, il va le dire. Sinon, on va vous offrir un succès. Donc, c'est vraiment une option, justement, pour aller avec pallier des situations comme ça. Parce que c'est choquant, effectivement, quand ce n'est pas un projet de recherche. Parfois, on va peut-être dire, oui, c'en est un, malheureusement, vous allez devoir déposer. Mais au moins, il va y avoir des personnes en éthique qui vont être prononcées avant, pour pas que des démarches entamées soient faites. On sait qu'avec la galop, c'est long, tout ça, donc on tente aussi de tenter de faciliter. L'éthique, c'est pas tout le temps pour mettre des bâtons des roues. On veut être accompagnateur, nous autres aussi, dans les démarches éthiques, que ce soit au niveau éthique de la recherche, éthique clinique ou éthique organisationnelle. Juste qu'il n'y ait pas de malentendu, on est extrêmement bien accompagné ici et on est chanceux de travailler avec vous et avec Joanne et on a des retours et tout. Donc, c'était vraiment pas dans ce but-là. Et on est vraiment très chanceux de l'accompagnement qu'on a. C'était juste une remarque plus générale de différents collègues, différents endroits et institutions. On est vraiment bien ici par rapport au comité d'éthique. Parfait. Ben, je vais le dire à Joanne, parce que Joanne, c'est la plus importante du comité d'éthique. Puis, vous pouvez être franche avec vous, je pense que le titre, là, un petit peu. Ok. Donc, voilà. Oui, mais c'est bien, c'est ce qui permet justement dans les échanges qu'on a en ce moment et puis avancer. C'est ça qui est bien. Ouais, vous lui direz, oh, il n'est pas si baveux que ça. J'aurais aimé ça savoir, c'est quoi l'enjeu d'intervenir? Parce que
Malheureusement, l'interdisciplinarité, un des grands problèmes, c'est que chacun arrive avec sa vision. Et là, parfois, il faut faire un amalgame. Ça devient un petit peu un package time. Si chacun arrive avec. Parce que la santé, maintenant, est tellement rendue basse. J'ai parlé avec les géographes. Donc, l'aspect éthique d'un géographe, c'est pas du tout le même qu'un chirurgien. Et dans l'intersectorialité, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, la finalité de quelqu'un sur le terrain, c'est d'être efficace, tandis qu'en recherche, et, on fait avancer les connaissances. C'est comme oui, mais non. Et si on a un bailleur de fonds en plus, là, il y a une réédition de fonds qui dit OK, non, mais est-ce que ça a rapporté et qu'est-ce que ça a rapporté? Ça devient presque une évaluation d'impact. Je trouve ça intéressant parce que dans votre dernier point, là, qui était en évaluation, je ne sais pas dans votre questionnaire, mais vous avez nommé ici en bleu, en bas. Les étapes de préoccupation concernant les parties prenantes des évaluations. Est-ce que ça fait un lien avec ce Ça, c'était parce que, donc, beaucoup l'éthique de la recherche, on parle beaucoup donc des usagers, des participants, des patients, des résidents, des gens qui sont concernés par les interventions, mais en évaluation, donc on s'intéresse à du mode de fonctionnement, de la collaboration interorganisationnelle, comment que les gens travaillent ensemble pour répondre aux besoins d'une clientèle. Donc, on travaille beaucoup aussi avec des intervenants et des organisations. Les autres, ils disaient, il faut aussi faire attention dans les évaluations de... on documente des choses, mais une préoccupation aussi de ne pas causer de tort aux organisations. Donc, ça, des fois, ça peut être la façon qu'on dit les choses, qu'est-ce qu'on rend public, à qui. Et donc, dans certaines situations, moi, j'ai déjà réalisé des évaluations, puis on s'organise de réfléchir à ces choses-là avant d'avoir des plans d'évaluation. Donc, on a comme un livre de recettes, on est transparent. On s'est déjà entendu avec certaines évaluations, dans certains contextes, certaines organisations, de qu'est-ce qui serait le contenu d'un rapport public à tout le monde et certaines informations qui seraient dans un rapport exclusif aux organisations parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître tout le même niveau de détail, mais pour certaines organisations, c'est utile pour pouvoir s'améliorer. Une question, quand vous faites des projets multicentrés ou des projets d'évaluation multicentrés de part dans plusieurs établissements, est-ce que vous êtes vous aussi confronté à obtenir différentes convenances institutionnelles? Parce que maintenant, c'est plus l'évaluation, et je pense que c'est un enjeu que les chercheurs aussi qui font du multicentré en recherche sont confrontés parce que l'enjeu est plus maintenant d'obtenir l'approbation éthique. Avant, on allait à 3, 4, 5 comités d'éthique. Maintenant, c'est la convenance institutionnelle et le fait que c'est un peu divergent d'un établissement à l'autre. Je veux savoir si vous avez un projet d'évaluation, c'est la même chose. Je dirais que ça dépend, mais quand. Peut-être que dans certaines situations, en tout cas, disons que le projet qu'on était dans, je ne sais plus trop, 31, à l'époque, c'était des C3S, là, on était dans la transformation des C3S, mais on avait gardé la structure initiale, 31 C3S. Donc, c'est sûr que là, il y en a qui nous demandaient des choses supplémentaires ou qui nous demandaient tous les documents qu'on avait fournis au comité d'éthique. Mais on a, sur 31, on était chanceux. Il y a peut-être eu 3-4 qui nous ont. Donc, on s'en est bien sortis. C'est une grosse problématique. Hein? Oui. Oui, puis il y a un établissement. Un établissement, c'est hiérarchique et contrôlant. Hein? Puis donc, ils suivent, dépendamment des périodes, on a déjà eu. Où est-ce que tout le monde suivait ce que le chef disait, puis on ne questionnait rien, puis c'était mieux de suivre le chef si on voulait garder sa place. Là, le ministre qui était là à cette époque-là, son nom commence par B. Au niveau du ministère, la convenance, il n'y a pas non plus de ligne directrice donc pour les établissements, non. Donc ce n'est pas aidant non plus pour l'établissement. Pour reprendre les dernières questions, s'il y a encore des questions. Oui.
Moi, c'est plus un commentaire pour rebondir sur l'échange sur l'interdisciplinarité. On peut aussi mettre la multidisciplinarité dedans, quand bien même c'est interdisciplinaire, multidisciplinaire ou intersectoriel, ça dépend des mots. Il y a un autre problème qui se rajoute, elle est où la limite entre le comité d'évaluation éthique et l'évaluation scientifique? Ça, c'est aussi quelque chose qui est moins visible dans des projets, on va dire, monodisciplinaires, où là, les évaluateurs ont une discipline précise. Dès qu'on commence à mettre l'interdisciplinarité, en fait, il y a des normes dans une discipline qui peuvent être différentes dans une autre, etc., etc. Donc, comment on fait pour mettre la limite dans ce qu'on a comme retour ou dans les retours qui sont donnés entre j'évalue scientifiquement le projet qui a déjà été évalué parce qu'il est déjà pas bon, on a déjà soumis avant aux évaluateurs, et ensuite l'aspect éthique. Il y a aussi ce problème-là qui pose énormément de délais en fait dans les projets multidisciplinaires ou interdisciplinaires, sachant qu'on a déjà été évalué parce qu'on a déjà eu un financement. Certainement, c'est une question très importante. Il faut continuer cette discussion. En tout cas, merci beaucoup, professeur Leclerc, pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à tout le Merci monde beaucoup. pour votre. Prosper, il voulait que je vous fasse un message. C'était son anniversaire dimanche. Hey, bon anniversaire.